Dans la vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous êtes capable de faire la différence dans la position de vous dans le ventre. Ça veut dire, est-ce que vous êtes couché dans le ventre et comment vous êtes capable de connaître les timons dans la tête en bas dans le ventre et comment vous êtes capable de connaître les timons dans tout et en pied dans le ventre. Les chita, comment vous faites connaître. Et sous combien de mois, si vous avez viré tête en bas avant tout pour le fait, qui ça qui a passé tout si vous n'avez pas viré tête en bas, s'il t'a voulu faire papier. Salut tout le monde, bienvenue sur le channel Attention Santé. Non, moi c'est Wilmick La Montagne. Moi, je voulais prendre un petit temps pour saluer chaque monde qui a regardé la vidéo. Il y a un remerciement spécial avec vous-même qui toujours fait acte d'amour. Ou toujours partager la vidéo, ou toujours quitter un like, ou toujours quitter un commentaire. Moi, j'apprécie chaque monde qui toujours porte un mot d'encouragement pour le travail. Ça fait plaisir chaque fois nous quitter un commentaire, nous encourager notre travail ça. L'autre côté, moi voulais saluer chaque monde qui a regardé vidéo sur channel ça pour la première fois. Il y a un monde qui rencontre nous pour la première fois dans grande vidéo ça. Donc moi souhaite bienvenue. Sur channel ça, nous partager seulement et causer santé. Zami qui a présenté la vidéo ça, il y aurait le Wilmick La Montagne. J'aime dire sur channel ça nous parler seulement cause santé. Donc si vous êtes un monde qui a cherché genre d'information ça yo, m'a demandé pour abonner à channel là, pèser cloche notification pour tout pour capable toujours recevoir notification à chaque fois que me laguer une nouveau vidéo. Moi recommande tout pour aller suivre moi sur plateforme Facebook là, sur même nom ça. Attention santé. Sur plateforme si là nous partager même information santé ça yo. Donc moi espérer ou passer ba non visite sur page ça ou abonner à page là et ou remet vidéo nous yo ou partager yo aussi. Généralement nous connaît pour une femme accoucher faut bébé a virer tête en bas pour ti monna capable alors pour maman capable faire une couche normale. Si toutefois si mon n'a pas viré tête en bas, la possible pour si césarienne yo faire pour yo prendre bébé a. Normalement, si mon yo toujours viré tête en bas dans espace 29 à 32 semaines, dans cas yon femme qui accouché pour alors dans cas yon femme qui a accouché pour la première fois. Mais nan ka yon femme qui konfèt ti moun déjà li kapab possible pour ti moun nan virer tête en bas dans espace 32 à 37 semaines dans espace 100 temps ça donc ti moun nan gen tan fait alors et estomac ti moun nan intestin relio yo commencé bien fonctionner. Là une femme commence à gagner en pile mois grossesse dans espace 7 à 8 mois de grossesse, la facile pour capable connaître qui position ti moun nan yé nan ventre li. Ou ap ka konnen est-ce qu'il campé, est-ce qu'il chita ou bien est-ce que li couché en travers. Moi pour aller expliquer nous comment ou capable identifier qui est ti moun nan chita, qui est li tête en bas, qui est li campé, qui est le coucher tout en travers dans le ventre. Comment on fait connaître si bébé a est tête en bas? Ou bien ou ka attendez que docteur va suivre là, li kadou ti monan li en position céphalique. Si ou nan yon pays kote yon parle espagnol, ou katande docteur va suivre la li du konsa, tout bébé esta en position céphalique. Donc, le yon du ti moun nan en position céphalique ou bien position céphalique, ça veut dire ti moun nan li tête en bas. Le bébé a tête en bas, le nan position céphalique là, et si ou senti debout ventou yon fè yon sac. Ou fait un sac ou bien ta fait yo ou ta wagen de boule ou ta le fait boule sous des côtés ventou essayer passer main ou sous lit tout petit
si a pou fin passe mon bien soir sur les tout petit et ou ouais boule alors sous boule là bon côté ventou passe mon souvent sous boule là tout petit bon côté ventou si ouais bébé a vin mouvementé nan ventou konnen li na position tête en bas koto la position tête en bas on capable gagne deux boules et li tire deux boules sur côté ventou donc l'on passe mon sous les tout doucement debout et le a profite passer mais ou senti ti moun nan fait mouvement en avant tout donc li na position céphalique si bébé a couché tête en bas mais facilite à garder dans dos ou ap senti mouvement li fè yo repon nou en bas côte ou ka noter ça tout dans l'ombrito. Comment on fait connait si bébé a chita en avant? Si bébé a chita en avant tout dépend Jean li chita soit dans position postérieure ou bien antérieure ou bien nous ka dire soit devant ou bien derrière. Donc si bébé a chita ou ka senti pied lio bat en bas koto. Si bébé a chita ak pied croisé ou capable senti pied lio a fait ti mouvement tout petit en bas lombrito pendant pied a croisé ou a capable senti la fait ti mouvement tout petit en bas lombrito le bébé a chita ou ka senti tout yon sac ou bien yon boule en bas côte mais qui pas mouvementé trop boule là ou capable ça senti boule là bas côté mais pas mouvementé trop laisse ça c'est tête ti moun là qui fait boule là en bas côté mais position ça la ti moun là chita comme ça ou capable sentir ou réellement mal à l'aise dans position ça les chita dans position ça donc tête là tête li a gonflé fait un boule en bas côté ou ap réellement senti ou mal à l'aise ou ka senti ou pa ka coucher ou ka senti ou pa ka chita et ou ap jwenn position yo et difficile pou donc en gros après tout remak sa yo ou capable fait et vraie façon ou pral konnen nan ki position bébé a yé nan ventou c'est ak aide yon examen ultrason. Donc médecin a capable identifier dans qui position bébé a yé et l'a capable de tout dans qui position bébé a yé après étude ça depuis dépend des gens bébé a couché dans ventou docteur est capable faire connaître est-ce que c'est césarienne ou a fait ou bien est-ce que ou a fait couche normal pas oublier moi dit si bébé a pas viré tête en bas dans ventou s'il t'a en pied ou bien t'a couché en travers donc possibilité pour le gagner pour prendre ti moun là c'est à l'aide de césarienne donc moi espérer vidéo ça a te servi nous casser dans rendez-vous pour nous rencontrer dans une autre vidéo pareil donc pas oublier si vous aimez vidéo à si vous aimez travail là pas aller sans pas quitter un like en bas vidéo pour nous ou capable partager information ça yo à tant de amis qui au capable